Et bonjour tout le monde, bienvenue pour cette matinale avec moi. Et je suis en compagnie donc de Kart et de Salah. Salut, salut tout le monde. Et nous partons pour un du T9. Eh oui, je suis comme ça, je suis chaud. Yahoo! Boum. Salut Bigorgor, salut Zolvac. Salut Empoisonneur, salut Casimir, j'espère que vous allez bien pour ce matin. On est parti de nouveau jusqu'à peu près midi, midi et demi. Are you ready to rumble? Beaucoup trop chaud. Mais je suis déçu, hier soir de nouveau je voulais faire une action sympa en classé avec Rich et je me suis de nouveau fait arrêter dans mon élan. Ah là là, chaque fois que je lance un truc, ça s'arrête en chemin. Bleh. Ah ça va, du T9, du T8, quelques petites personnes, et c'est Ah tiens, parti. un Zara. Hein? Le porn. Le prod. Ouais, bon, on y était presque. Un Zara. Ah, ça peut piquer la SAP, ça. D'accord. Bah, la SAP, j'espère qu'ils l'ont corrigée parce que sinon ça fait un problème. Bah, je suis content de pas être en DD, quoi. Bah, il y a aussi un CV, quoi. Oulé, elle est où? Vu qu'il y a un CV. Je vais aller me mettre entre B et C pour pas abandonner complètement l'autre côté. Je reviendrai si besoin. Ouais, mais de toute manière, j'ai l'impression que le Miyoko va pas être. Du coup, je vais aller là-bas, quoi. Je comptais pas spécialement sur lui. Non, mais moi, de toute manière, je descends. Je suis un croiseur de libre. Je vais pas m'enfermer en haut. C'est l'idée. Salut, Vigilante. Ok, on sait déjà où va le Kronstadt, il va aller camper derrière son île. Et bah, qu'il aille camper derrière son île. Ah. Oh. Aïe, ma peinture. Le Zara est là. Tout sera? Sur C. Je crois que c'est le jour où il teste les blindages latéraux. Allez-y, je mets mes broadside, les gars. Bon, bah, si t'as des mains. Ah, mais le Miyoko, il m'embête! Gâteau est vraiment FK, non, Non, j'ai mais. l'impression. Bon, le truc chiant, c'est qu'il est plus spot là. C'est ce Miyoko qui fait demi-tour parce que voilà, il a un bateau en face de lui. Je voulais descendre, moi. Ah, oh, peut-être qu'il en ramolle. Vous savez à combien c'est spoté ce truc là? Non. J'ai pas les données en tête. Bah, il sort. Ah! Il utilise sa Il se smoke smoke, ouais. italienne. Tat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 a. Ça fait se brûler la smoke quand tu l'allumes. Ouais? Il y a un autre truc avec lui parce qu'il y a de la cheux qui sort de la smoke, hein. Oui, il y a un DD, je pense. Sérieux, on a deux fois leur force de frappe et on n'arrive pas à avancer, quoi. On peut repousser, c'est lamentable. Bah go. Bah ouais, mais faudrait que les battleships y aillent, quoi. Parce que c'est pas un Saint-Louis et un Alaska qui vont mener la charge contre des bébés. Donc ça y est, Frédéric vient de comprendre. Ce serait bien que le Bismarck et le Nel fassent la même.
Ah mais moi je suis pas aimé là. Je suis pas aimé du tout là. Je me casse. J'ai compris. Target 5. Waouh. Ouais, j'avais disparu. Non mais c'est pas bien ça. En fait, je me prends des tirs. Moi. Alors, petit Zara, comment te dire? Deux fois que je te loupe. Oh, il tourne ce matin. Ouais ouais, je teste si ça sera bien ou pas bien. Oui, je lui ai mis un feu au Zara. Là, il a réparé. Tentative de caisse. Mes obus sont trop lents. C'est ça là, le vilain. Oh purée, on a. Tentative de caisse réussie. Premier sang en plus. T'exagères. Pénéché, moi. Tiens, moi aussi, je sais faire Alsace là. Et mais ce TF3 là, Poufy. Je crois qu'il m'en veut personnellement. Faut m'expliquer, j'ai fait quoi à ce bateau? T'as volé ses frites au McDo quand il a eu 12 ans. Non, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de joueurs qui m'en veulent, en fait, du temps où je joue CV. Mais tu joues toujours CV, en fait. Ah ouais, mais c'est moins violent maintenant, je peux pas one-shot. Je joue pas Sinop. C'est encore pire, franchement, je préférais me faire one-shot un bon coup par un bon CV. Et plutôt que de passer ma game à essayer d'esquiver ses tirs et au final mourir. Enfin, t'avais certains noms en CV, tu commençais ta game, si tu voyais qu'il arrivait sur toi, tu savais que t'étais mort et tu savais que tu passais à la prochaine et puis fuck, enfin, c'est pas grave quoi. Mais. Ah oui, c'est vrai que c'était marrant quand les gens me voyaient. Bah oui. Au moins les choses étaient claires quoi. Et quand je voyais certains noms, j'étais là ouh. Combien de. Parti, j'ai débuté en DD et je vois le CV en face, je fais ok, bon là c'est pour ma gueule. Et ça n'a pas loupé, cross drop de torp, bim, merci en bas. C'était sympa le bon temps. Le bon vieux temps. La principale, j'arrive à l'esquiver, mais la secondaire c'est compliqué quand même. Ça va être long à cap du coup si on tue pas ce machin là. Mais il brûle, il brûle. Il est sérieux, il veut vraiment mettre un drop là-dedans, le Lexington, là? Ouais. Ah bah, plus d'avion. Bah, il a pas le choix. Pourtant, il aurait pu attaquer le Nagato. Bah, le Nagato, le Bolami... Aujourd'hui, je suis chanceux niveau feu. À peu près une soixantaine de buts, 6 feux. Oh, j'ai pas la place de faire demi-tour, fais chier. Il aurait fallu faire une fois. Je peux le radar à tout moment, le Vauclin, si vous voulez. Moteur cassé sur Vauclin. Ok, bon, j'aurais pas l'occasion de le radar. Oh bah écoute, hein. C'est pas plus mal, hein. Je m'en débarrasse, moi. Le Missouri qui nous prend en crosse, par contre. J'ai vu des obus passer dans ma caméra. Ça fait bizarre. Quand tu... Le Missouri, c'est moi qui veux depuis tout à l'heure. Hein. Pas moyen. Je suis vraiment pas le plus proche. Je suis anglais par rapport à lui, mais c'est quand même sur moi qui tire. À pas tout comprendre. Ouais, j'ai vu. Le TF3 utilise le je te sélectionne, je te désélectionne. Mais je te tuerai avant. Vilain, j'en bats. Écoute, hein, on doit se débarrasser de ce cuirassé. Il commence à me les briser, menu. Tiens, t'as plus de feu. Tiens, t'en prends un. T'es mignon.
Bon, Bismarck. Je peux avoir mes torpilles, s'il vous plaît? Avant que je meure? Ça, la secondaire. Oh, je me prends des tirs d'Ibuki, je survis. La secondaire du Bismarck. Peu. S'il continue comme ça, le Bismarck, peut-être qu'il se prendra mes torts. Non, je pense qu'il va les esquiver. Ouais, j'aurais dû viser là où ça allait. Mais je me suis dit que non, il rentrera pas, tu vois. Bon, bah j'ai eu tort d'y penser. Par contre, ça là, il y a moyen que le l'Ibuki soit en train d'en mettre des torts. Donc fais attention. Voilà. Pas belle la vie. Bon, 75 000, c'est pas grand chose. Hein. J'ai déjà fait beaucoup mieux. Hein. Tiens. Voilà, du boudin. T'as de langue sur les buki? Pas encore. Mon hydro est on, hein. Pourquoi Bismarck il a utilisé son hydro, il n'y a aucun risque. Voilà, le mieux que lui il le fasse, ouais, c'est logique. En sortie d'une île, on sait jamais lui. Mais là, l'Ibuki, il est trop derrière. Il reste quoi? Kronstadt, Ibuki, Missouri. Je pense qu'il reste que Kronstadt. Ouais, voilà. Ouais, bon, bah, il reste que Kronstadt, Missouri et Lexington. Lexington qui a pas bougé beaucoup par rapport à sa position de départ. Hein. Non. Le nôtre, par contre, il est bien descendu en flèche pour... Bon, par contre, Lexington, je l'aurais rapproché un peu plus vu la... je l'aurais descendu un peu plus et je l'aurais mis plus dans ligne 7, E7, quelque chose comme ça. Il y a moins de risques. Ah bah, le Miyoko est quand même mort, tiens. Ça, du coup, il a quand même eu. L'Alsace veut se faire le Lexington, mais il le rate. Tu veux peut-être en profiter, ça là. Moi je fais des dégâts sur le Lex là pour l'instant. La game est plutôt bien engagée. Soigner un peu le compteur. Mais il va un peu vite. J'ai l'impression que vous mesurez pas la vitesse du Lexington. Il va aussi vite qu'un Missouri. Mmh. C'est mieux comme mesure de vitesse, ça. Voilà, c'est ça là qui le pique. Ah là là, ça là, ça là. Salut, sergent. Ah ouais, hier soir, en 2 heures, t'as fait 19 games. Ah ouais, bien joué, Neune. Ouf. Ouais, il te reste plus grand-chose à faire maintenant comme bateau en coop, non? Sur les 310. Alors, sérieux, je laisse à 300 HP le constructeur. Tu veux que je te le montre? Il est peut-être à portée de... Oh non, il était pas à portée de radar. Bah il a tiré donc de base. Allez, ça là. Voilà. Je sais même pas de caisse avec ce navire, les obus sont tellement lents que... Alors ça là, maintenant, on t'interdit de tuer le Missouri.
Ah, eux, t'as déjà 3 kills, c'est à mon tour. Ouais. Maintenant, tu laisses Garth avoir 3 kills. Salah! On lui dit encore, tu sais. Non, Salah, c'est comme tout. Il en a jamais assez. Ah, je l'ai vu broadside, j'ai pas résisté. Ah, j'ai quand même 14 000 d'XP. Légit. Ouais, mais j'ai 160k, j'ai que 2 kills. Déconnez. Ouais, t'aurais pu lui laisser un troisième. Bon, je sais qu'on fait la moitié de l'équipe. je sais qu'on fait la moitié de l'équipe à nous, mais quand même. Ouais, Jean-Bart, Alsace et Vauclin. Par contre, comment il m'a mis une citadelle, une mission? Bah, il t'a collé une citadelle, il a dit toi, une citadelle. Bah, je sais pas, j'étais anglais. Oh, il n'y a plus les 200%. Passer par le pont, peut-être. Il n'y a plus les 200%. C'est triste. Bon, allez, on va jouer. J'ai joué. Je sens que c'est le moment que je vais pas kiffer, moi. Ah non, tier 8, ça va. Ah non, j'ai pas du tier 10, s'il te plaît. Non, je pensais que t'allais partir. En tier 6? En tier 6. Ah non, c'est bon là. Faut que je fasse 37 batailles avec mon Lexington pour avoir mon midway, alors. À coup de 8000 XP, bien sûr, hein, je précise. Un chapaïef. En FFA. Ouais, non, c'est juste parce que j'ai pas fait la victoire pour avoir le bonus. Mais vous m'oubliez là. Vous oubliez, je vais pas chasser le DD. Je préfère encore un Worcester qu'un Friesland. C'est moche à dire, mais le Worcester, il me laisse au moins des avions. Par contre, j'ai vu des replays de game de Friesland. Ça a l'air chiant à mourir. Mais t'as... DPMHE. C'est ça. Tu smoke, pouf. C'est un Smolens plus petit. Avec moins de canons. Et sans torp. Et sans torp. C'est très con quand même. Point DD, mais... Bah, c'est un DD post-guerre. Rajmi, il est sérieux le Fletcher? Adonne des bamous, comrade. Ah, tu vas devoir passer par devant, toi. Mais le Fletcher est vraiment en train de faire un gros tout droit dans le B, là. Salut qui dit du. What? J'ai kiffé ma game, on a mis souris Lyon. Vous avez tiré déjà sur le Baltimore? Non. Non, parce qu'il a déjà perdu un tiers de ses PV. Oh bah c'est probablement un peu tiré dessus. Ok. Après. Je sais plus c'est quoi la range de la Yoa, mais il y a moins qu'il l'ait. Le Charnorce, non. Le Musashi, il peut avoir la range. Hein. Mais oui, mais je veux les spots et il avait déjà perdu. On l'aurait pas vu dans le chat? Non. On voit pas quand c'est les ennemis qui font de la merde? Non, tu vois pas malheureusement quand c'est les ennemis qui font de la merde. Allez, CV adverse. Crois que mon DD est sur B. Faites que mon croyez que mon DD est sur B. Hein, Friesland? Va chier. Voilà, lui il me tue un avion quand tu le spot. Alors que d'habitude. Ok, donc y a rien sur A. Non, y a rien du tout. Y a un gizno.
Ah, il y a... Oh, bah, y a un gizmo. Il y a un gizno, un gizno. D'accord. Ouais, non, c'est ça. Le Balchi et le Sinope, ils se tapent entre eux. Ils s'apprécient pas des masses, c'est noté. J'ai mis bien cher au Frisland, il est presque mort déjà. Je commence à revenir vers toi déjà. Merci Mad pour le follow, merci beaucoup. Chiant à tous camper derrière leur caillou là. Bah non, il y a que danser où les mecs ils campent pas quoi. Non. Je pourrais pas cap sans que le Missouri me voie. J'essaye de faire sortir ce Baltimore. Ça va picoter, mais au moins s'il sort. Ah bah s'il sort il va pas kiffer sa life là. Bah il sort. Bon, je suis en reload. Salut Nick Larin. Yes, I got. Alabama, bah oui, bah on va voir attaquer l'Alabama. Il push comme un tout seul. Oh, il y a toujours le Gizno qui est en face sur A, quoi. Ils n'ont toujours pas sorti. C'est Grand Amiral Tron. Il sort l'Alabama ou... Ah bah le Friesland n'est pas mort. Non, non. Ben non, en fait, si tu regardes, pour l'instant, on leur a tué les deux battleships sur A. N'essaie plus de taper, je pense, le Balti, je pense que c'est peut-être à le tuer. Il y a... Ah, oh, purée. J'étais dans le mauvais canal. On s'en fout.
C'est juste pour dire attention. Ah merde. Ah non 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 non. CV à la con. Il allait aller dessus. Putain. Je crois que j'arriverai pas à m'arrêter avant de sortir du cap, moi. Mais sors du cap, sors du cap, sors du cap. Prends pas de risque. Je suis plus spot. Oui, c'est normal, le Friesland est dans sa smoke. Ouais, je sais. T'inquiète, avec tout ce qu'il m'a mis dans la tronche, j'ai bien vu où il était. Ouais, c'est chiant, hein, c'est pire que la coup. La Katsuki, et ces trucs-là. Oh bordel, mais regarde-moi ça, ils sont paqués derrière un pauvre caillou. Ah non, il y a un lion tout seul. À moi. Nourriture. Bon, il veut pas se montrer à l'hyper là, sérieusement. Putain, je vais débarquer là-dedans, faire un strike, moi. T'as eu un flow de Stargate? Ouais. Bah c'est un perma. Ah ouais? Pub. Pub. ouais, on va attaquer. Putain, j'ai eu des dégâts de flood. T'es au courant que les gens ils ont toujours le réflexe de réparer automatiquement tout de suite le flood. Je sais pas si je vais survivre à ce move. Si tu patientes... Ah non, je patiente que dalle. Parce que je vois, ils sont en train de tous perdre des PV là, donc... Ah oui, non, j'ai pas vu que... Je croyais que le Missouri était encore avec l'autre. Fonce, ouais. Missouri, par contre, il a les canons tournés vers ta sortie. Hein. Ah ouais, mais il m'attend depuis tout à l'heure, t'inquiète. Salut, toi. Allez, KS à la secondaire, KS à la secondaire. C'est ça là, il mange tout là. Celle-là, il est à 100 000. Pff, j'ai que la moitié. Je suis à peine à 82 000. Hein. Je n'ai que la moitié de ça. Une super game pour moi. Par contre, l'Indianapolis, il est passé où? Bah, c'est ce que je suis en train de me demander là. Voilà, trouvé. Il est full life. Mais attends, l'Indiana... Ah oui, on est parti en tier 8. Je suis en train de me dire, mais... Il est plus full life. Ne le faites pas tourner, hein. Oui, il est parti pour estanquer, hein. Oh, je mets une overplane dessus. Sorry, et il y retourne en plus ce con hein. Allez, allez, monte, vas-y. Ah il a éteint les feux. Bon bah j'arriverai pas à dépasser ça. À moi, à moi.
Une heure urbaine. La précision légendaire du massa. Bah écoute, hier je trouve qu'il marchait beaucoup mieux que ça, mais... Non, non, mais à chaque fois il a tourné, j'en ai mis une trop haute, une trop basse. Ouais, bah ça va. Bon, s'il arrive à la sortie... Non, non, non. Mais... En 12 000 d'XP, 4 000... Oh purée, 4 000 quand même d'XP libre. Que la fête commence. C'est quoi ça? Tier 8, Sakari. Infligez 8 000 points de dégâts au navire grâce à l'inondation. Nouvelle frontière, obtenez 15 000 points d'XP libre. Un par un, détruisez 10 navires. Ouais, ouais, je sais. Vision de l'avenir, aidez votre équipe à infliger 100 000 points de dégâts grâce à votre détection. Bah ça en CV normalement, ça devrait monter vite. Mais comment ça se fait que t'as deux fois plus que moi quasiment t'es ça là 600 points d'XP de plus. Ouais. Le char nord m'a servi de chèvre. Et en fait, ah, j'ai oui, pu oui. farmer le lion tranquillement. Ah bah d'accord. Là tu vois, je mets à peine 16 000 en tout de... C'est aussi le fait que t'aies mis le Friesland à 1000 PV, non? Possiblement aussi, ouais. Oui, ça aide que... pour l'XP. Ah, mais je crois savoir ce que c'est que là, ces nouvelles missions. Le Friesland, je t'ai mis 14 200. On a les directives de la deuxième semaine, la directive 2 qui sont disponibles, messieurs. Ah. Et j'en ai déjà fait une sur 7. C'était que la fête commence. Infligez 8000 points de dégâts grâce aux dégâts grâce à une inondation et vous recevez un conteneur cadeau. Anniversaire Allemagne. 2025 crédits. Le truc... Pour les dégâts de détection, là, je viens de faire une game en battleship et j'ai déjà quasiment fini. Enfin, entre mes deux games en battleship et en Alaska, je l'ai déjà fini le machin. Ah, moi, je suis à 61 000 de dégâts par détection. Ah, ciel dégagé, détruisez 50 avions. Bon. Lieu de fête, remporter 15 rubans défendus, capturer ou aider à la capture. Ah, ça va être un peu plus compliqué. Et toucher des navires ennemis à 1000 reprises avec la batterie secondaire. 1000 wow, ouais, à 1000 reprises avec la batterie secondaire. Oh bah je vais continuer en massa moi. Bon ça tu prends l'Alsace, tu vas tout droit. Bah ça. Ouais, Géorgia aussi. Ouais. Ohio. Tu l'as? Tu l'as? Non. Bah voilà. Après il peut vite arriver. Et le Smolensk c'est considéré comme de la secondaire sa principale ou pas? Parce que sinon en une game c'est... En une partie c'est plié. Non je pense pas, je pense que là le Smolensk c'est toujours principal. Mais oui, non. Tu prends... non mais tu t'embêtes pas, hein. tu vas en coop, Géorgia, Alsace, et tu fonces tout droit et puis c'est drôle. Hein. Bon, choisissez. Vas-y, je choisis. J'aime me faire du mal. T'aimes te faire du mal? Bah, faut que je le joue. Ah, je vois. Waouh. Non, mais quand il a dit j'aime me faire du mal. Il va falloir que je le passe le truc si je veux mon Colbert. Tout à fait. C'est vrai que j'achète des Egal Speed, Charlie. Mais c'est vrai que j'ai oublié le Pensacola quand j'ai reset cette branche, quand même. Parce que... Ouais. Bah, moi, ça va, le Furious, tout ça. J'aime bien. Il n'y a pas les pavillons. 2-3 flags. Donc... Hop. Si. Egal Speed. Ah, c'est que du charbon, celui-là. Oh, c'est vrai que je vais être à court de... Ça va être la première fois où je vais être à court de drapeau. Plus 50% d'XP de base. Monaghan full A. Ça a de l'A ah, ça? Ouais, j'ai un barrage en plus. Ah oh, putain. Ah puis j'ai un capitaine 19 points dessus, genre. Ouais, t'es comme moi, quand on va taper des bébés phoques, on les tape mais avec fierté. Avec non-respect. Moi j'ai un commandant 13 points. Je fais ça bien moi.
Moi j'ai un Wedge commandant 7 porte 19. avion dans la file d'attente. Bah, tier 6, hein. Tier 6, t'as aussi. Le problème c'est qu'il calcule les tiers 4, ce genre de choses, quoi. Ah, Nickel, le deux tiers. tirs 8. Vanguard, double tir, pis Et vous êtes deux croiseurs. Il y a 4 DD. Ok. Petit caillou, où es-tu, petit caillou? Ah, tu es là. Bon, bah on va aller chercher les destroyers. Jette l'ancre. Je vais chercher que dalle, moi. Ah non, toi tu vas te foutre un caillou et tu vas jouer le champignon des mers. Mais moi je vais chercher les DD. Je vais faire DD! quoi avec mes torpilles à Où 6 qu'il est euros? DD? Déjà ne pas les utiliser. À moins que tu te fasses YOLO par un battleship ou autre chose, mais. Mais je pense que ouais, il y a beaucoup de Bismarck, de Tirpitz à cause de la mission 1000 coups de la secondaire. Y a moyen, rien. Pourtant, tu vas en coop, c'est plus simple, hein. En une partie de Géorgia, généralement, je fais 300 coups à la secondaire. Portée de détectabilité par les airs, 2-5. J'ai le barrage, j'ai le chasseur et j'ai les drapeaux d'A, tout ça, tout ça. Bah ouais, j'ai tout ça, tout Donc ça. s'il s'approche le machin. Viens, 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 viens. Vas-y, viens. Vas-y, viens, on est bien. Voilà. La galissonnière, elle a moins de 5 km. Wow. Je sais même pas combien j'ai de portée d'A sur ce truc. 4-8. Non, mais il y a le Kiev et l'Aigle du même côté. Ouais, ça veut dire qu'on se tape la Kizuki et Man de mon côté. Ouais. Fun. Oh, bah tu sais, t'as la Zashu avec toi, hein? Pardon. Et il s'attaque au Bismarck. Et il a reposé un chasseur. En fait, ouais, c'est ça, il va poser non-stop des chasseurs sur B. Que pas illogique, mais qui n'est pas utile. Ok, c'est le man dans le spot C'est ça. ou Ah ouais, mais si ce truc. Oh putain, vache. J'ai passé ma game à headspot. Ok, j'ai plus de vie. Une torpe sur le mal. J'oubliais que les dégâts de mes torpes sont anémiques. Ah, moi, faut que je chasse l'aigle. Putain, il push bien. Hein. Et la Kizuki? Il y a la Zashio qui est devant. Le problème, c'est que l'aigle il est en train de KPC. Du coup.
Tu pourrais mettre la rediff pour moi car je suis à l'hôpital et comme ça je pourrais regarder les gays. Mais alors en fait, oui, rassure-toi, Partinus, il y aura toujours la rediff disponible sur Twitch et après elle sera sur YouTube. J'ai fait un kill. Truc de ouf. Truc de ouf. Ah, c'est pas si facile de jouer avec un croiseur qui commence ses games à 6000 PV systématiquement. J'en doute pas. Mais qu'est-ce qu'il fait mon CV? Oh putain, mon CV qui fait Je n'importe pense que quoi. c'était effectivement plutôt de l'autre côté qu'il fallait aller, mais. Mais non, je lui avais demandé d'aller vers là-bas et puis en fait il a fait un demi-tour. Bah en fait je vais pas te mentir, à l'heure actuelle l'aigle c'est la cible la plus facile tant que les autres ils ont pas pris un peu de feu. Mais en 6 minutes ne pas tomber un DD c'est juste ridicule quoi, je veux dire. Avant je venais, tu le repais, merci, au revoir quoi. Là maintenant t'es. Bah là tiens, il se moque. Je peux peut-être mettre quelques torps sur le Vanguard, si vous voulez. Sneaky, sneaky. Ouais, mais là je vais attaquer à la torpe parce que j'ai besoin de faire des dégâts. Je suis à peine à 12 000 de dégâts en 6 minutes de game, c'est ridicule. C'est pas beau. De quoi? Ce qui va arriver au Vanguard. Voilà ce que ça donne quand on se déchaîne. Crois qu'il vient de kiffer sa game. Oh, le Kiev qu'on prend a pris une nous. Aussi. Oh là là. C'est sale. GG. Ah, c'est sale. Ah, tu vas me dire que j'ai raté la torpille sur le Vanguard. Ah, vache. Et moi, je suis trop proche de l'île, j'arrive plus à l'OB. Je le tue avec mon feu. Ouais, mais j'arrive pas à l'OB. Sérieux? Sérieusement? Sérieusement, juste pour la juste, tiens, dodge. J'avoue, vas-y, drop le s'il te plaît. Mais non, mais purée, je me dis, ouais, je vais pouvoir. Non, Et ça, il en prend pas. Non, mais le It's truc. all Ça là, mine, c'est quoi ce bitches. troll, quoi? Mais ça là, mais non, mais va jouer au loto, je sais pas, et partage la somme, hein. T'as l'autre. T'es juste énervant, ça là. Moi, je galère à faire des dégâts, lui, pu. Bah là maintenant il va avoir un reload 7 heures pour le Bismarck. Hein. Ils sont prêtes, mais j'ai pas la portée. Elle va bien fait. T'inquiète, il arrive. Allez, je lui mets un deuxième feu, comme ça il va réparer. Et tu pourras mettre un petit flou de perma. Ah non, non, Bratislava, je ne suis pas Je suis dégarni. plus là. J'ai les cheveux courts. C'est ce que je dis aussi. Non, non, j'ai vraiment les cheveux courts, 3 mm. Tu portes pas les cheveux qui font quand ils sont trop longs. Tu sais, au travail, c'est chiant quand on te dit Amen, Charlotte.
Ça dépend, elle est comment, Charlotte. Moi, je fais 7000 avec deux torpilles, quoi. Oh, j'aimerais tellement voir écrit 7000 quand je mets une salve. Mais ça, c'est nos DD, ils spotent pas aussi. Ouais, on a un DD qui fait des kills. Au lieu de spotter. Reporte ça là, quoi. Là, je joue le Furious. Là, mais là, je suis mauvais. J'ai passé 6 minutes de ma game à chasser un DD. Qui a finalement servi à rien, il a eu le temps de caper quand même. Du coup, il faut que j'attaque des battleships pour faire mes dégâts. T'as pas le choix en fait en CV, c'est soit tu chasses les DD et tu fais rien et tu sers à rien. Bon, ok, ça là va se faire le Bismarck. Je reconnais son petit sourire de coin d'île. Non, je vais le faire. Ned. Non, repars pas. Vas-y, viens, gamin, on est bien. Ah oh, putain, c'est ton feu qui le tue. Ouais, ça va, t'avais pas encore de kill, t'as le droit. On l'explose sur le Kiev comme si je m'y attendais. Ouais, bon, là t'as eu de la chance quoi. Ouais, tellement. Je me dis, ça va être dur le 1v1 contre un Kiev. Bah, j'étais en train de sortir, franchement. Alors, j'allais le raid. T'étais pas en 1 contre 1 parce qu'on était les 3 dessus en fait. J'étais bien content d'ailleurs qu'ils viennent. Je crois qu'on était les 3 prêts à taper le Kiev, surtout moi avec mes bombers. T'inquiète, mes canons étaient dessus, il y avait juste une île, mais le problème allait être résolu dans les quelques secondes. Ce drop était magique. Bon, en tout cas, j'ai enfin fait un kill avec ce truc. Et je vais même pas avoir le temps de prendre un peu de points de capture. Le mec ne partage pas, quoi. Ah bah ça... Si j'avais pu me tirer dessus moi-même pour me faire décapiter. Bon, là j'avoue, j'ai pu remonter un peu dans les points. J'étais à 20 000, là je suis à 60 000. Merci les battleships. Continuez comme ça. Laissez-vous cramer. Soyez heureux. Soyez tout fire. Ben Ryujo. Ryujo. Je vais mourir pour rien. Where are you, my friend? Come back. I give you a hug. Oh, j'ai pris un obus et je suis pas mort. C'est de ouf. C'est le tir pit, hein. Je fais 1000 PV, mais. Moi, je suis fou. Mon CV va tenter de ramer le tir pit. Ça se tente. Il avait réparé un feu, j'espère. Deux feux. Cool. Je lui avais collé deux feux. Je viens de lui mettre un perma. Bonne citadelle. Ah, il s'est... Le bâtard. Il s'est drop. Il s'est auto-drop, ouais. Bien joué. Si un jour... un jour tu veux énerver Poda, tu lui parles de CV, auto-drop... Il allait faire son record de kill, il allait faire son 9ème kill sur le CV. Et c'est auto-drop. Le mec s'est auto-drop, du coup il a pas battu son record de kill. Il y a le replay. Mais t'es au courant que moi je l'ai déjà fait en classé. Je l'ai déjà fait au sprint saison 6. Parce que la game elle était perdue, il restait que moi. Et le problème c'est que j'étais trop loin pour qu'ils me chassent, tu vois les mecs. Ah oui, non mais ça d'accord, toi tu t'es drop pour que la game finisse plus vite. Le mec s'est drop pour pas.
que le mec ait, que l'autre ait le kill, quoi. C'est moche. Non, c'est drôle. C'est juste pour leur dire ta gueule. Ouais, mais quand le mec a déjà 8 kills, qu'il va faire son 9ème de la partie, c'est un peu la loose. Mais bon. C'est que tu vas réussir à survivre. Eh, franchement, à la secondaire là. Elle a combien ta secondaire? Attends, j'ai la portée moi. 3, oh, il est pas joueur Star Gate. Non. Il avait trop peur que je lui caisse. Mais j'aime bien la phrase. Mais c'est quoi ce joueur de CV français? Ah, c'est moi. Pardon, mais moi je suis comme ça. Mes PV, il faut qu'ils servent. Voilà. Hein, on avait arrête bien qui buildait ses CV full secondaire. Le problème, c'est quand il faisait ça en KOTS. Non, mais que tu partes au KOTS avec un grave Zeppelin full secondaire. Allez. Bon, bah voilà, grâce à votre équipe, sans point de détection, ça s'est fait. Lieu de la fête. 15 rubans défendus. En une partie. Allez, hop. Ça s'est fait. 83 obus, 8 torpilles, 6 avions. Pas valider grand chose, mais bon, un petit 11 000 XP, ma foi. 100 400. 100 500 dégâts. Putain. Ah, à vous de choisir. Et, ah oui, dégâts potentiels. Ouais, j'ai fait 72 000 au dégâts de potentiel. C'est pas mal. Oh, une inondation, 0 point de dégâts. C'est ce que je dis, les mecs, ils ont l'inonde, ils réparent. C'est pas fun, les gars. Laissez-vous couler un peu. Et j'ai tiré. Hey, deux obus à la secondaire, j'ai tiré. Après, c'est l'offre que j'ai dit. Ok. Bah écoute, choisis alors. Je crois que c'est ma meilleure game en Monaco. Choisis ton bateau. Bah je crois que c'est ma meilleure game en Pensacola. C'est pas ma meilleure game en Furious. Qu'est-ce que je vais prendre pour la dernière? Et je crois que ça sera ma dernière game en Pensacola d'ailleurs. Ah, tu peux passer au suivant? Non, mais... T'en as marre. Fritbex quoi. Je vais prendre. Allô, le jeu? Planté? Mmh. Allez! Non, mais j'aimerais bien. Mon port est freeze. C'est bon, ça a défreeze là? Non. Ah non. Relance le jeu. Je pense que le jeu a pas aimé que je fasse une bonne game en DD, du coup. Ouais, voilà. What? Comment ça? Mes secondaires... Ce navire était pas prévu pour faire ça. Il a non, jamais été conçu pour dépasser les 20 000. Allez, relance le jeu. Je récupère mes 3 conteneurs. T'as, j'ai déjà les 3 conteneurs. Ah, Atlanta. Tombe bien, j'avais un truc à jouer moi. Hop, hop. Oh. Ah, super conteneur. Super conteneur légite. Bon, celui-là, je vais l'ouvrir. Allez, ça va être quoi? De la merde. Des drapeaux. Temps pour extinction d'un incendie. Super content. Ravi. Super. Mais ça va être vachement pratique sur tes CV. Sur mes CV où le feu dure 5 secondes. Ah ouais. C'est... En fait, les CV, t'as les 3 quarts des drapeaux qui ne servent à rien. Tu en as rêvé, Wargaming l'a fait. Voilà. Non, Vauclin, j'ai... Ah si, j'ai le commandant de 18 points, mais non, j'ai pas envie. Là, j'ai pu choper au Bueno. Ouais. Bon, j'ai pas encore eu beaucoup d'occasions de faire énormément de frappes dévastes, etc. Bon, tu sais quoi, si je vais prendre le Vauclin, allez. Double Vauclin? Ouais, c'est bien. Vous voulez pas... Non, attends. Non, je vais prendre le Blapitude. Je vais prendre la Blapitude. Barrage ou Hydro? Ouais, tant pis. Vu le nombre de CV que tu peux avoir, oh, allez. Mais... Tu demanderas à Rich hier soir, il y a un S-Dragon qui se souvient bien de moi.
dans une partie après, le mec, quand il est retombé face à moi, il a dit ok, je pars en A1. Et il est vraiment parti en A1. Oh la vache. Ben en fait, il est sorti de l'île, je l'ai vu, j'ai tiré dessus, et ben il y avait plus de bateau. Tier 8, alors, okay. Ah tiens, Rishi, il est là. Ouais. J'ai envie de rejouer à The Point and Click Adventure. C'était marrant. Alors, on va aller sur... on peut aller sur A. À moins que Rich... à moins que Gart et Salah se sentent d'aller sur B. Non, franchement. Bah, le problème, c'est que Salah sur A, là, t'as rien à y foutre, là. Ouais, oui, moi... Enfin, à moins que t'aies chargé un module smoke sur ton Atlanta, mais... D'ailleurs, c'est pas encore possible. Oh, j'aurais bien aimé. Ouais. C'est pas l'infini, je crois, mais... Non, mais je vais aller camper derrière B. Lightning, Akatsuki, bon, pour peu qu'il soit peu dessus, on va pouvoir le free cap, hein, mais... Et pour peu qu'il soit un peu con, on va pouvoir les défoncer, mais bon. Bon, t'as juste le CV, donc tu fais gaffe. Je te mets une smoke, ça, là. Ouais, vas-y, chaud patate. Ou un speed boost, aussi. Spoot beast. C'est la version FR. Bon, ça peut le faire. J'ai que 5-8 en entier. Hein. Moi j'ai 5-3. Je te les ramène. C'est bon, t'as fait ta game. T'as tué 3 avions. J'ai tué rien du tout, moi. Ah ouais, c'est l'Atlantique. J'ai fait 945 de dégâts sur les avions. Non. Ça là, t'as tué les 3 chasseurs. Oh putain. Bon, où en étions-nous? Tu te vas dans B. C'est ça. Merci. Bon, la Katsuki est là-bas. Et le lightning est là-bas. Allez. Open bar. Free cap, mother trucker. Bah, free cap, ça va dépendre du CV. Hein. Oh, Dallas à 8 bornes. Je vais essayer de te respot ce truc. Un petit pré-shoot de torp au cas où. Il a. Ouais, il a pas de radar à ce tir-là. Non, Dallas n'a pas le radar. Ouais, vas-y, fun. Il avance. Il a pris un feu. Moi, je vais aller sur A après, hein. Ou pas, un lightning qui arrive. Oh, il va venir le lightning quand même là. Oh, je sais pas. Ah, mais t'es là toi. Ah mais ouais, du coup, il va peut-être pas venir le lightning en fait. Pourquoi? Fallait pas que je vienne. Non, en soi c'est pas grave grave. Tiens, t'as un CV là-bas si tu veux t'amuser. Non mais je le vois plus. Je le vois, je le vois plus, je le vois, je le vois plus, je sais pas pourquoi. Il est embêtant. Allez, avance.
chance, je me suis fait 3 avions. Bah oui, moi j'en ai fait 3 aussi. Avez-vous déjà vu un Dallas couler? Maintenant, oui. Par contre, il y a toujours un Lightning, on sait pas où il est. Hein. Je dis ça, je dis rien. En tant que joueur de CV, tu te fais coincer, quoi. Non. Se faire tirer dessus à la HE par un Bayern, ça n'a pas de prix. C'est bon, je m'en vais. Si c'est un gars, j'aurais sûrement besoin d'un coup de main sur C, si jamais le client décide de rentrer. Veuillez patienter. Chargement du canon. Non, le client il va pas t'emmerder pour le moment. C'est juste que je suis en train de tuer un Bayern qui me fait la course. Ouais, il est passé à la paix. Mais c'était avant qu'il fallait me taper à la paix. Non mais Stasachio, t'avais vraiment besoin de moi? Là, tu resteras dans mon entière boostée.
Quelle tristesse, vous avez raté votre objectif. Même CV échoue encore. Ah, j'ai raté mon tir, moi. On regagne quelques PV. Putain, je suis à plus de 100 obus et seulement mon deuxième feu. Et toujours pas de qui. C'est pas ma journée. Je suis même pas à 30 000 de dégâts. Je suis même pas à 100 000 de dégâts. 5 000 ? 100 000. 100, ah. 100, 100, 100. Oui, parce que 5 000, ça me paraissait bizarre quand même. Surtout en synop. Vu là où tu es sur la map. Pardon, mais moi, je fonce. Bon, bah, je vais aller chercher le ranger, hein. Je crois qu'il y a que ça à faire maintenant. Bon, allez, allez. Celle-ci, j'y arriverai. J'arriverai à le faire. Oh, laisse tomber. Il est déjà mis de l'aise. Le temps que j'arrive dessus, le Romain va le défoncer. Est-ce que ça va être le Ram? Le mec va louper son. On va louper son shoot parce qu'il est trop occupé à régler le son de la musique. Ram incoming! Regardez les deux là! Bim! Ah, enfin j'en ai réussi un! Voilà, 134 000. Je dirais, il reste quoi? Le Ranger, le Lightning? Pardon. Non, il n'y a plus de Ranger. Il reste le Lightning. Qu'est-ce que tu. C'est la caméra qui part en live. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Ça ne servait à rien. Si je le ramais pas. Un par un, voilà. Moi. J'ai fait 20 avions. On sent le CV qui s'est acharné sur moi. Mais non, c'est pas vrai. Ouais, par contre, tu vois, hein, violet. Ah, ouais. Ah, c'est ma journée milieu de classement. Ça. Bah, c'est bien, moi, t'es pas en bas. Le Furious qui a rien fait, je rappelle. Hein. Un peu plus haut, le Furious. Je te laisse, Karim. Bah merci pour les games les gars. Mais de rien. Et puis bah, à plus. Bonne journée. Huit. Puf. Puf. Tac. Eh ben on va continuer à deux. Allez. Vas-y, à toi. Oh. Ah, j'ai... Attends, tac. Oui, ça c'est bon. Je vais partir en Géorgie, je pense. J'ai des coups à la secondaire, à ce qui paraît à faire. Ah, c'est pas bête ça. Attends. Vas-y, change. Ah, plus riche. Ouais. Oh, hop. Je vais pas donner dans l'intelligence, hein, je te le dis. Tu crois vraiment que Georgia full secondaire c'est genre bon alors on va tout droit et deux Georgia full secondaire. Bon, bah, en avant toute, hein, si on tombe sur deux frères middle. Je suis excessivement mauvais avec ce bateau, par contre. Mais bon, ah, moi j'aurai les secondaires. Mais ce navire, c'est soit, pas, il troll, soit il te troll, soit tu troll. Ouais, non, j'y arrive pas, j'ai un peu de mal avec. Ah, moi j'ai déjà fait une partie où j'ai fait 200 et quelques mille. C'était juste marrant. Pour moi, pas pour les adversaires. Normal. Là, il dit, t'es rouge vif, pourquoi?
2 DD, un Smolensk, en div avec un H4. Donc tu sens que ça va bien nous tirer dessus si on est à portée. Il n'y a pas de CV. Bon, la div GK H4 Smolensk par contre là, ouais. Bon, c'est pas des plus optimisés, hein. Mais j'aurais mis un Worcester, un Smolensk et un Minotaur. Cancer? Non. Non, non, Wargaming. Linden qui bouge pas, je vais être obligé de faire le tour. Ou de l'emmener avec moi, au choix. Oh. Si, si, il bouge, il bouge! Bon, ça va, 40 secondes après le début de la partie, c'est un peu légitime. Allez, spot beast. Allez, on va près des îles. YOLO! Ouais, mais Bratislava, si tu rajoutes un Wooster là-dedans et que tu mets un Minosmoke, Smoke, tu te perds ma Smoke et t'as toujours un radar et 3 hydro-2. Pas dégueu. Même partie avec ce truc. 29. 20 bornes à peu près. Ouais. Déjà spot. Oui, moi aussi, mais c'est normal, il y a des DD un peu partout. Bah oui, voilà, il y a un DD dans D. Non, 40 secondes, ça va encore de retard. Le pire, c'est 3 minutes de retard. 3 minutes de retard, tu penses que là, il faut changer le PC? Je dis ça. Raté. On a un Izumo sur notre broadside quand même. Là, je sais, il m'a déjà tiré dessus, mais il m'a raté. C'est garde qui KS. J'ai pas tiré dessus. C'était secondaire. Je te rassure, de toute manière, c'est il faut qu'on. Mais les trucs sur lesquels les secondaires peuvent faire plein de touches, en fait, ils meurent trop vite. Ah bah, j'ai mis une petite cita, une bonne petite cita là. Enfin, pas une cita, mais j'ai collé un bon coup dans les roustons. 1700 de dégâts, un kill. Pas belle la vie? Bah, c'est un DD, donc ça va, c'est légit. Non mais toi, le Fletcher, pousse-toi! C'est le mec pue.
Et bah voilà, ma première vraie salve de la partie. Tu t'arrêtes pas, hein, on est d'accord. Ah oui, non, moi c'est. Je vais en ligne A. De quoi? La marche arrière? Ah, pardon. On l'a cassée l'autre jour. Sérieux, le Zaron en reverse là. Pas fou lui. Ah non, il est dans l'autre sens, merde. C'est moi qui suis fatigué. Ah mais oui, Bratislava, oui, c'est un lemming, mais un lemming entraîné juste par deux navires. On est juste deux Georgia et on fait Waza! Yalla. Ah, Georgia a décidé de se tourner vers moi. Ça, c'est un Ah. problème. Georgia, il vient de prendre une petite claque. Bah, il y a moyen qu'ils m'en mettent une petite là. Salut Lolo. Ah, ou pas. Triple Cita, tout ça, tout ça. Bon, en fait, il est bien ce bateau. Ben oui, il est très bien le Georgia. Je suis qu'à 70 touches seulement à la secondaire, là, ça Ah, moi je suis à peine à 100... 100 touches à... 103 touches à la secondaire. Ah, par contre, c'est vrai que j'oubliais qu'il a des obus très lents. va. C'est un Américain. Hein? Qui a fait ça? Pourquoi? L'Alsace. Oh, le Smolensk est... Au revoir. Il était full vie. Bon, l'Izumo est beach de face dans l'île, donc autant dire que c'est plutôt une menace. Ah, le conquérant a plus déjà. Ah bah non! Sur quoi va taper ma secondaire maintenant, moi? Garde, t'es quand même à 4 kills, t'es gentil. Ah là là. Je peux rien, moi, les gens ils meurent. Pas moi qui l'ai tué, hein. Je tirais même pas dessus. Oh, un black. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? J'étais même pas au courant qu'il y avait ce DD qui était là dans le coin. Non, j'avoue que j'ai pas fait gaffe non plus.
le cancer rare m'a mis un double perma, ça c'est un peu chiant. Bouge pas, Blacky, j'arrive! Je crois que le Conqueror il doit être juste deg. Il arrive pas à mettre un seul feu. Ah, moi il m'a mis une salle tout à l'heure, j'ai pris un double. Hein. Ah ouais? C'est quoi, c'est Farming Simulator auquel on joue là? Ça? Je sais pas, moi c'est YOLO tout droit. Ah, je me mets un peu broadside pour avoir plus de secondaires qui tapent quand même. C'était un peu le but de la manœuvre. Il veut pas mettre un gros méchant île là? Il veut pas. Bon bah voilà. Combien de coups à la seconde? J'ai pas regardé. 100 et quelques. Ouais, 182. C'est quoi ça? Oh putain! Obtenir 3 au fait de Dreadnought avec des cuirassés. J'avais oublié 176. Que j'avais celui-là. Ouais. 150 000 de dégâts pour 58 obus, c'est bien, c'est pas mal. 180 000. Bah 153 000 aussi. Ouais, tu vois, on a fait la gueule. On a pushé et puis les autres en face ils se sont dit hein. Bon, j'avoue, il y a eu un ou deux petits caisses. Non. Parce que Ludola il y a 132. Bon, les AO 5005 quand même. Ouais, pas tant que ça. C'était rigolo. Faudra faire ça 5 fois. Non, faut faire ça 10 fois à peu près. Mais je partirai pas. Je partirai en coop pour faire. Tu fais beaucoup plus de touches en coop. C'est. J'ai fait Allez, vas-y. J'ai fait une tâche de campagne. Ton stream. Ouais. Attends, j'ai le port en PLS là. J'ai cliqué sur campagne. Ah, il est en mode souffrance. Ouais, un matelot de plus à mettre en salle des machines. Merci Celticos pour le resub, merci beaucoup, ça fait toujours plaisir. Je sais pas quoi prendre. Il y a une mission, j'ai cru que c'était. Ah oui, anniversaire URSS. Il faut faire des crédits en URSS. Il s'étouffe. T'étouffes pas? Ouais, parce que c'est quand je vois un Smolensk. Faut faire des crédits et brûler les adversaires. À ce qui paraît, c'est bon pour les crédits. Attends. Pour faire des crédits, je vais mettre deux petits drapeaux qui vont bien. Il faudrait vraiment que je réinstalle le mode qui me permettait de... Ah bah voilà, j'en ai plein des camos. Plus 50 crédits et ça me coûte moins 50%. Allez hop, emballer c'est pesé.
Même pas de drapeau anti-déto, tiens. Ah si, moi je l'ai mis, si, 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 si. Ah non, si, je l'ai mis. Oui, j'en ai 143 en stock, alors... Oui, j'en ai en stock en plus. Pourquoi j'y suis là, par contre? Ah d'accord! Sur certains navires, j'ai des pavillons qui ne servent à rien. Il n'y avait pas un autre... Léviathan, crédit par bataille... Tu devrais mettre le drapeau pour récupérer plus de PV quand tu te vis là. Sur un croiseur aussi fragile, ça peut être cool. C'est celui-là, ouais. Ouais, mais justement, j'en ai 1000. Tu vois le mec qui les utilise quasiment jamais. 650 drapeaux anti-feu, c'est normal, il joue CV. Qu'est-ce que tu veux que je les prenne? Et je les ai sur tous mes cuirassés. Non, non, c'est pas des blagues. Sur tous mes cuirassés, j'ai Oui, le mais drapeau anti-feu, mais je joue pas faut-il encore les assez. jouer? Ouais, mais je les joue. Mais 650 drapeaux, le problème, c'est que tu vois bien, j'en gagne 100. Qu'est-ce que tu veux que Oui. j'en ai? Ah oui, je crois que j'en avais acheté aussi. J'avais refait un peu le plein de tous ces drapeaux quand j'avais trop de crédit. Suite, tu sais, au rework CV, j'avais regragné une branche. Et du coup, ils m'avaient remboursé mais tous les CV en plus. J'étais blindé, quoi. Ah bordel, crash zone test alpha, je sais jamais où me mettre. On va où sur... Généralement, je push C, je repars sur B après, mais là, je sais pas si c'est forcément la meilleure idée. Moi, je dirais plutôt aller vers A. Ouais. Déjà, ils ont déjà un Smolensk en haut, donc on va pas en mettre deux. Ce serait mettre trop de feu. Ça serait de mettre trop de navires équilibrés au même endroit. Puis là, il y a Maggie Tirpitz, donc autant aller descendre en bas. Mais il est sympa, je trouve, en blanc le Smolensk, avec le camo blanc anniversaire. Je l'aurais plutôt fait rouge sang, moi, pour le Smolensk. Mais non, mais c'est, tu sais, les trucs qu'on avait reçus à Ouais. Service Distingué l'année dernière. Je m'en rappelle. Tu te rends compte, j'en ai 60. Mais joli ce camo. Ouais, mais 65 il m'en reste en stock. À tel point, j'utilise quasiment jamais les camos. Oui, les flammes pour le smoking, on est d'accord. Belmogador, il a compris qu'il fallait pas foncer quand t'es un DD français. Oh, c'est quand même un comble, le nombre de gens qui croient que, ah bah je suis DD et je peux aller dedans. Bah, c'est quand même énervant. T'as le navire qu'il faut pour pouvoir aller cap avant tout le monde, mais tu peux pas y aller parce qu'il y a un putain de CV. Il y a quelque chose dans le cap. Voilà. Ça aussi, Shokaku À la qui tue Kiev à torpe. la torpe. Mais oui, parce qu'il s'est arrêté. Si tu veux, en fait, il a fait la même erreur que à l'époque du pré-rework, c'est il s'arrête, il lâche sa smoke. Donc toi, tu fais quoi? Bah, tu torpes là où il s'est arrêté. Bah, je vais me prendre un petit drop de CV. On t'interdit. Histoire de dire bonjour. Ouais, mais il va perdre Bon, trop il d'avions. repartira sans avion, hein. Et de 5. Et de 6. Je lui enlève 7 avions pour 7 000 de dégâts. Ça Autant dire que c'est ridicule.
Ils veulent pas sortir des îles un peu là? Qu'est-ce qu'il faut encore spot le magasin? Ah oui. Les avions. Et voilà, faut que j'arrête de tirer, sinon je vais me faire tuer. Parce que j'ai un Amagi qui m'a coupé la priorité. Il t'a sorti de ta smoke ? Et j'ai un peu avancé, ouais, du coup il me push. Putain. Je suis à l'arrêt. C'est cool. Par contre, on a rien pour choper ce Z là, c'est un peu énervant. Je pusherais bien là-dedans, moi. Je vous fasse demi-tour. Allez. Pour l'instant, je joue très mal, hein. Ok, on a déjà perdu 2 DD sur C et eux ils ont perdu 2 DD pour l'instant et 1 cuirassé. Qu'est-ce qu'il y a ? Je vais être obligé de faire demi-tour. Ah ! Ça c'est un problème. Ah bah c'était pas sur moi les torpes, tiens. À moins que ça soit un autre. Attends, j'arrive. J'ai l'hydro. Chut. Ouais, voilà, elles sont à cette orbe. Il y a 2 DD, enfin, je suis juste pas push en fait. C'est... Et on a le Z46. Mais fuck, vas-y, je vais push quand même. Hein. Je vais aller dans le cap. Enfin... Le terrible, il est parti. Donc, ouais, il est parti choper le Mogador. Maintenant, le Mogador est mort. Oui, mais il peut revenir, mais c'est pas grave. Il y a la Magie qui va sortir. Ouais, ça j'ai vu. Mais je sais pas pourquoi, c'est pour ma gueule. Le Z est toujours là. Je vais me prendre ma Storp. Faut que je m'angle. Ah non, par contre, plus de gouvernail, ça va pas le faire, faut que je répare. Bon, normalement, la magie est morte. On finit quoi, le NC? Yep. Je suis vraiment mauvais avec ce navire. Pourtant, il est vraiment bon ce navire. Oui, mais c'est moi qui suis mauvais. Donc ça équilibre un peu. Il fout quoi notre CV? Je vois pas d'avion depuis tout à l'heure là. Si. C'est juste que moi je les vois.
Ça, c'est un Kaga. Le problème, c'est que. Ouais, il y en a là, ok. J'ai rien dit. Oh, c'est mignon, il se heal un peu, lui. Ah, putain, il me tape une tourelle. Va falloir me le dire deux fois, ça, tiens. Voilà, petit Shokaku. Sérieux, je lui mets pas de dégâts. Il avait plus d'avion en l'air. C'est pour ça en fait. En fait, quand vous avez un CV, attendez qu'il est en train de faire son dernier drop pour le tuer. Et à ce moment-là, il est bloqué parce que s'il n'a pas pensé à rentrer au port, enfin à son CV pour prendre un nouvel escadron, il n'a plus d'avion en l'air. C'est quelque chose que je dis, mais ne faites pas quand vous êtes en face de moi. Hein, laissez-moi partir avec un escadron. Montana va mourir. Montana doit mourir. Ça y est, il va aller le chercher. Ah bah, c'est surtout que le DD il va le chercher lui. Et que à l'heure actuelle, pour moi personnellement, je pense que le DD est en train de le chercher lui. Hein. Il y a moyen. C'est ça. Je suis plus pote, donc il doit être par là. Ouais bah écoute, ça lui fera les pattes. Il avait qu'à aller le chercher avant. Bon bah 71 000 c'est ridicule. En Smolensk ouais. Mais bon après je suis pas un joueur de navire cheaté. Moi je suis qu'à 130 000 c'est pas ouf non plus. Non j'avoue j'ai du mal des fois à me positionner correctement et à cibler convenablement tu vois. Bah va même pas essayer de prendre le Kolberg alors hein. Si, j'ai envie de tester. Bah si, parce que bon, après, c'est parce que je joue pas souvent, tu vois. Je veux dire, je joue pas souvent les croiseurs. Parce que la balistique du Smolensk, elle est excellente par rapport au Colmer. Ah bah tu vois, je l'avais dit. Bah voilà, je l'avais dit. C'est sûr. Allez, adieu Kaga. Tu vas pouvoir lui mettre quelques secondaires et mourir ensuite. On t'aimait bien. Ou pas. Ouais, c'est pas faux, elle. Comment ça, pas fan de navire cheaté? Le CV n'est pas cheaté. Tu prends un Smolensk, il est pire. Ah, les deux avis se tiennent. Là, là, là. Le CV n'est plus cheaté. Avant, un CV, oui, il était. Parce que tu décidais de la pluie, du beau temps et du bonheur des joueurs. Maintenant, t'es juste là pour leur piquer un peu l'arrière-train, quoi.
Toi le Kaga. Ah oui, Casimir. Mais Casimir, qu'est-ce que t'as fait? Tu vas t'en prendre une. Casimir. Ah mais c'était toi notre CV? T'as appelé depuis tout à l'heure? Ah ouais. Ah là là, non non mais en Kaga, déjà t'es l'autière. Tu n'as pas les si tu spotais en fait si tu spotais le Z46, en fait on voyait où il était et moi j'aurais pu le chasser. Voilà, le principe en fait c'est que par contre, effectivement, tu as un défaut, c'est que t'es l'autière. Quoi qu'il arrive, en Kaga, là dans le matchmaking, t'étais pas top. Parce que tous les navires avaient plus d'antires que toi. Mais en fait, le problème, c'est que nous, on avait deux DD sur A. Du coup, il fallait venir en fait les spotter pour qu'on puisse les tuer. C'est tout, quoi. C'est-à-dire que pour pouvoir push dans 4 battleships, j'aimerais bien qu'il n'y ait plus de DD devant. En fait, si tu veux, c'est là où il y a le... C'est ça, en fait. C'est s'il y a un flanc qui veut initier un push, il faut aller avec le push. Après, sur C, oui, t'as aidé. Et après, en fait, il fallait revenir sur A et chasser les DD. Juste le Z. Le Z, en fait, il a pu venir sur toi parce que il a pas été spot de la partie. Et le fait est que... j'aurais pas envoyé mon Kaga sur A, je l'aurais envoyé sur C. Parce que justement, je voyais que le gros push de la flotte était sur C, donc je l'aurais envoyé sur C. Eh oui, moi aussi, ça m'arrive. Je te rassure, moi aussi, ça m'arrive d'oublier des DD. Et d'un coup, je me dis, attends, il est où celui-là? C'est pour ça que j'ai les équipes affichées, en fait. C'est pas pour le plaisir, hein, c'est juste pour voir qu'est-ce qui reste en vie quand je joue CV. Écoute, choisis un bateau. C'est à moi. Ouais. On va rester dans le trip secondaire, hein. Vas-y, ça fait longtemps que j'ai pas joué ça, là. Faut juste que je trouve mon commandant. Mais ça sera un GK. Hein. Ok. Moi, je prendrai un. Je vais prendre Linden, tiens. J'ai vu qu'il y a. Faut faire avec l'Allemagne, faut faire 2,5 millions crédits. Ah. Des crédits aussi. Ok. Allez, on va mettre des petits drapeaux qui vont bien. Salut Bastos. Du coup, je suis à combien de secondaires? Non, paramètre du navire. 11-6. On est bien. Lance un snipe peut-être? Vu qu'on part en mode YOLO secondaire. Toi, tu pars en mode YOLO secondaire? Moi, pas. J'ai pas de D10 allemand. J'avoue, j'ai pas encore recherché la branche de classé allemand. Pourtant, il est marrant, le Kefirst. Je sais. Il est exaspérant, parce que ses canons sont juste pas fiables, mais il est très marrant à jouer. Tu peux te permettre des trucs, c'est le seul navire avec lequel tu peux te permettre des trucs comme ça. Enfin... Enterprise, ouais, il est très bien. En fait, le problème du Kaga à l'heure actuelle, c'est que quand t'es dans un matchmaking T10, tes avions, en fait, c'est du T6. Du coup, t'as beau avoir une réserve conséquente, tu feras rien, faut faire du spot ou la chasse au DD. C'est tout. Et il faut y aller avec tes bombes et tes torpilles et roquettes aussi. Les torpilles du Kaga sont très bonnes pour chasser les DD parce qu'en fait, ils s'attendent pas à la vitesse. Ah bah, je crois qu'on n'est pas les seuls à faire de la secondaire. Ouais, mais moi, j'aurais dû... Après, l'arc royal, il a des. En fait, il a. Par avion, il y a moins de PV que le Furious, mais t'as tout autant en fait. C'est ça la différence. Et du coup, les avions aussi sont plus. Mais tu tapes un peu plus. L'Enterprise, lui, est très bon. En fait, c'est pour ça qu'il a été retiré de la boutique. Apparemment, il est trop fort. Quasiment impossible à Citadelle, le GK. Que. Sur des endroits bien précis, enfin, c'est vraiment l'obus chanceux qui va te permettre de le citer. C'est ça. Après, faut pas se leurrer, hein. Tu le chopes broadside, c'est 15 à 20 cas par salve, hein. Mais tu vas pas le dévaster comme tu pourrais faire avec n'importe quel autre, quoi. Non. L'arc royal en fait est très bien. Même si tu veux aller push dans le C là où il y a déjà les deux GK.
Non, okay. Non, moi je voulais aller dans... Je voulais... Mais moi, j'ai pas de secondaire avec ce navire. Non, je sais bien. Non, moi c'était pour aider le gearing. Ok. Je sais pas, là, ils sont en train de faire les zouaves là-bas. Ah, bah chez nous, il y a l'euro. Non, non, c'est l'euro, c'est sûr. Après, moi, le GK, il citadelle très bien. Hein. Ouais, à la bombe à paix. Ah, j'ai jamais dit avec quoi. Oui, à la bombe à paix, c'est juste, tu viens, plaf. Livraison de suppos. Wild, wild, wild. Ramène-toi sur TeamSpeak et dans le jeu. Espèce de vilain. Ah, il y a un Thunderer. Ah oui, c'est vrai qu'on en croise maintenant. Très peu, mais on en croise. Oh, sérieux, Cyclone? Bon, bah, rush si. Ah, c'est le Kléber qui est en train de caper! Oh my god! Oh, mais il y a la Rougoumo qui va lui sauter sur le coin de la gueule là. Kléber à Rougoumo, je donne gagnant le Kléber. Si le Kléber, c'est bien joué. Ah, ça dépend du support qu'il a, mais pour l'instant, de ce que je vois, c'est plutôt la Rougoumo qui gagne le trade. Hein. Bah, je vais aller dans le cap, moi. Puis on va faire le cul et tous ces petits... Ah, ok, la Rougoumo s'est fait fumer, mais pas le Thunderer. Pas le Kléber, tu veux dire. Non, non, pas le Thunderer. Oui. Bah oui, mais ça, j'ai dit, hein. Ouais, mais les deux GK là, ils restent en fond de map. Non, on en a un qui est AFK carrément. Et on perd un autre battleship. Très bien ça. C'est ça, ouais, bon, c'est une très bonne game. Et je trouve que, ouais, après, bon, c'est. Bah là, tu vois, c'est nouveau pareil. C'est... Tu tombes dans des matchmaking des fois. Tiens. Une cita sur le GK. On en parlait justement. Putain. Mais je sais pas ce qu'il est. Je sais pas ce que fait le Smolensk ainsi que le. Ils ont push comme des retards quoi. Dans A. Je veux dire, il n'y avait pas de raison, quoi. Oh bah, je pense que le GK, en fait, soit il a eu un crash, soit il a lancé, et puis... Je sais pas, mais perdre un cuirassé Teddy sur un AFK, c'est un peu relou, quoi. Bah, c'est ça, le problème. Ah, voilà, mes petits Itaï, ils sont là. Ah, tout à l'heure, je lui mets une salve à 15 000 à 18 bornes. Là, je lui mets une salve à 11 bornes, je lui fais 5000. C'est le GK. Ces canons sont absolument pas fiables.
le Zao, quoi. Allez, tourne. Qu'est-ce que t'es venu foutre là-dedans? Bah, le Minotaur, Inden et Smolensk commençaient à venir, je laisse tomber, quoi. Je veux dire, on n'a aucun support, le GK là-bas derrière, il a décidé de se barrer et de ne pas venir. Je veux dire, moi, je me suis tiré, je pouvais rien faire, quoi. Je veux dire... c'est laisse tomber. Quand t'as des mecs qui sont en train de fuir derrière... Que toi tu te fais pourchasser par trois navires, bah laisse tomber quoi. Ah bah non, je comptais sur le GK pour la secondaire là. Bah non là. Ah, il y a le Mino qui apparaît à ce moment-là. Ça pour mettre un pauvre 6000 sur un Yamato. Ouais. Écoute, hein, le mec il dit internet, bah, arrête de télécharger. Hein. Après, il a peut-être vraiment eu une coupure internet. Ouais, mais bon, putain, je suis désolé, mais regarde, et il va rester loin, hein, parce qu'il peut rien faire. 9 minutes de jeu, un Battleship AFK. Bah, il arrive. De toute façon, la game est déjà finie. Ouais. C'est ouais, ça, allez, go au port, là. Ah, Linden. À toi de choisir. Je suis jamais fan de Linden. Pas un navire que j'apprécie. Putain, c'était notre première lose. Ouais, ça va être triste. Oh tiens, T7. J'ai le lion à faire. Il me manque encore... Il me manque encore... 40 000 points. Attends, avant de lancer, deux secondes. Ah ouais, non, j'en suis loin encore. Oui, non, non. Je suis très loin du fantasque. Ah merde, attends. Je peux XP de com, on s'en fout. On va mettre ça. XP de libre. Voilà. Pareil, je suis à 50 000 points d'XP du Richelieu, ça va être long, ça va être long. À moi, le lion, il est passé tout seul quand j'ai regrind la branche. Non, mais c'est long. Bah, il est bien le lion, mais le problème, c'est que j'ai essayé de le jouer en classé, c'est pas intéressant. C'était pas intéressant du tout. Et je sais que le Richelieu en classé, ça va pas être intéressant de le jouer, du coup, faut que je fasse des parties en FFA, quoi.
Pocotnik, Minekiazé, Atlanta. On a un bon matchmaking pour une fois. Pouf pouf. Ouais, il y a plus d'espace en 1, 2, 3. C'est parti. Bah ça va, t'as 76% de win rate et 73 000 de dégâts moyens avec le lion. Ouais, parce que des fois il est troll. Salut Xanpok. Là, je me demande si dans s'il y en a un qui va oser passer les middle. Pas de chez nous, hein, de chez eux. Hein. C'est déjà arrivé hein, dans une partie sur deux. Frère. Sur des petits tirs comme ça, franchement, ça tombe pas assez pour se le permettre. Donc ouais, ça pourrait être marrant. Comme on dit, hein, j'allume le radar. Ah, 5. 10. Ah. Alors, un marble est d'ici. Le Bayern tout là-bas. Moi, je suis un cuirassé de distance proche, c'est-à-dire 10 km. Mais on va attendre. Ah bah tiens! La casta qui passe middle. C'est ce marbelette qui me fait chier. Mais moi j'arrive sur ton flanc. Enfin, il y a le Nagato derrière donc. Ouais, mais il tire pas dessus. Un peu trop derrière, je pense, pour le Königsberg. La Kesta, il sait qu'il est mort là. Je sais pas. Je sais pas trop. Je comprends pas son move. Bonjour, je suis Radar. Bah, tu fais demi-tour si t'es Radar. Ah. Ah, ça va commencer à être plus sympa déjà. Le marbelette se barre, le Bayern arrive.
Mais comment il fait le Minekaze, sérieux, pour mourir là? Bah, il s'est arrêté alors qu'il se faisait tirer dessus. En fait, le Mais problème, c'est comment que. il ça se fait qu'il se fait tirer dessus en fait? C'est ça la question. Bah, il tirait sur le Dashi, en fait. Du coup, il était spot, et du coup, bah voilà. Non, mais cherche pas, on a des comiques. Les DD, en fait, au bout de 7 minutes de jeu, généralement, ils meurent. Bon, il a fait un truc intéressant, c'est qu'il m'a mis une smoke. Voilà! Le lion, quand il n'est pas troll, voilà! Ça vous sort un navire. Réaccélère. On a pris une, ça fait bobo. T'as le marbalète, fais gaffe. Non, je suis mort, de toute façon. Sur que je fais ça. Et j'ai tiré de nouveau trop derrière. Ce machin me fout deux feux. Regarde-moi Tiki-Tak en C9 là, sérieux. Céléna. Des surpeines sur un Bayern, quoi. Mais non, les gars, oh! Olé! Mais mon knacki! Bon, je vais aller chercher le Bayern, j'en ai marre. Ah, il y a le lion là-bas derrière. Oh, le lion. Le pire, c'est l'Elena dans son putain de caillou, quoi. Ce truc, c'est juste énervant, quoi. Il se montre pas et bonjour, je te colle des feux.
Et le pire, j'ai zéro soutien, quoi. Faut que je me tire, quoi. Non, il est à moi. Oh. Je suis exprès à aller le tanker, c'est pas pour qu'on me le vole encore. Non, mais... Je suis plus dans la game, je peux plus caisse. Mais là, ils sont obligés de pusher parce que, bah... L'Elena, c'est bon, il est content, il a fait... il m'a farmé, et puis... Mais le problème, c'est que maintenant, il est trop loin. Tu vois, bah, voilà. C'est surtout que là, il n'y a plus personne, donc il va être obligé d'aller en open, et là, l'Elena, il va avoir mal. Oh, ça fait bien longtemps que les bébés se font farmer, hein. Ça fait très longtemps que c'est les pros et pas les chasseurs. Hein. C'est ça, c'est fini, hein. L'époque du bébé qui chassait les croiseurs, maintenant c'est l'inverse. À bas tiers, les bébés étaient les prédateurs, mais à haut tiers. Hein. Je suis désolé, hein, Zao, Inden, même déjà à cette époque-là, hein, c'était pas le bébé le chasseur. Hein. Smolensk maintenant, Worcester, H4. Tu calcules, il n'y a plus que ça. Hein. Ça prend du temps, c'est sûr. Mais un bébé, ça se défonce. Tanker sert toujours. Tu vois bien, j'ai tanké un potentiel de 2 millions. Mais le problème, c'est que Wargaming te dira « Ouais, mais c'est pas ça qu'on veut. On veut que tu fasses des dégâts, mec. Tu veux des crédits et de l'XP, tu fais des dégâts. T'as tanké 5 millions pour ton équipe. C'est bien, mais ça sert à rien. » En fait, c'est ça le problème. C'est que c'est pas rétribué convenablement. Du coup, les bébés, bah, ils restent fond de map et puis ils tirent, quoi. Pourquoi aller au feu? Comment une deuxième tourelle? Il me tire à la hache, le salaud! Contre l'Atlanta qui, depuis le début de la game, shoot en open, qui est toujours pas mort, ça me sidère ça. La dispersion me déteste. Ah non, là elle m'aime bien. Je te dis, à 10 km, 10-12 km, le lion est bon. Mais il tire... Ouais. Mais il tire à la HE, le mec. À la HE. Bah ouais, mais en même temps, il a raison. En T7, je veux dire, il aurait pu sortir le York, l'Atlanta avec l'AP, non? Mais il a fait que de la HE, hein, la Shitaka. Hein. Voilà, il reste Well DD.
Ça peut être long. Hein. Ah, il sera peut-être gentil, il répondra. Non, parce que c'est juste... Ah, apparemment le Nagato est spoté. Ah bah... Et il va sortir notre Nagato. Continue de tourner Nagato, continue, continue, putain. C'est à 4 axes ce truc. Waouh. Ouh, bah non. Ouh. La dernière, on a cru qu'il allait apprendre là. Elle l'a longé sa coque. Là, il a plus de torpille, il va se barrer, quoi. Chisakab, c'est bon, quoi. Je pense qu'il aurait pu s'en sortir le... Il aurait pu couler le Nagato s'il avait pas mis sa smoke, tu vois. S'il était pas encore, tu sais, il était pas vu, quoi que ce soit, j'ai pas compris. Il a lâché sa smoke. Dommage. Non, fallait passer à l'HE, Nagato. C'est le seul moment où tu prends de l'HE. Allez Nagato, on compte sur toi. Voilà. Ouais, non, juste avec la secondaire, ça devrait le faire. Ouais, non, mais il a eu raison, il y avait les torpilles qui arrivaient. Bon, 10 000 points d'XP, c'est pas mal, ça monte, ça monte. Et je finis deuxième. Ah là là. Bah voilà. Oui. Donc bon, ce matin, on a fait une défaite, c'est celle en Linden. Hein. Juste voir le classement, même si je fais de la merde. C'est toujours drôle. Je suis même pas le dernier, le Grosso et le Répu sont... on fait moins. Donc voilà. Bon, dans tous les cas, moi je vous remercie. Vous me direz si ce petit truc-là, ça vous a fait... Ça vous a plu ou pas, voilà, vous mettez ça dans le Discord retour de stream. Donc c'est quoi exactement? C'est donc sur la WSFR, c'est feedback stream. Voilà, donc vous me dites un peu ce qu'il en est. Bon, on va s'arrêter, il est midi. D'ici une heure, il y a Neuneu qui a mis pendant ce temps, la fameuse émission de rediffusion de et pendant ce temps-là chez et on verra qui c'est. Normalement, il avait dit que mardi, c'est Momo et sa présentation des sous-marins. Pendant une heure et demie, Momo va vous faire la présentation des sous-marins qu'il avait fait dimanche sur sa chaîne. Et du coup, c'est rediffusé cet après-midi pour vous. Là. Voilà, je vous invite vraiment à le regarder. Nous, on se retrouve demain matin. Voilà. Donc, demain matin sur la WSFR. Sinon, cet après-midi, certainement sur ma chaîne pour faire du CV. Je verrai encore. Voilà, allez, moi je vous dis ciao, bon appétit tout le monde. Et à la prochaine.